C'est sûr que si j'enlève pas le blocage de différentiel, ça risque pas de tourner. Allez, bonjour tout le monde. Bienvenue pour l'épisode numéro 6, déjà, oula, du let's play, donc de la série sur Spin Tier. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on va essayer de débloquer le deuxième objectif. Allez hop, je remets le petit blocage de différentiel. On va essayer de débloquer le deuxième objectif, même si je pense qu'on n'aura le temps de faire que 4 points sur 8, car on est avec une remorque pour rondin moyen. Voilà, j'ai pas cherché à prendre des rondins longs comme la dernière fois, car bah, déjà on doit traverser cette fameuse rivière, donc ça va pas être évident. Alors je vais vous montrer ça tout de suite sur la carte. Alors vous voyez, j'ai mis le petit itinéraire pour aller jusqu'au bois. Une fois au bois, on va tenter de sortir comme ça. On va reprendre la route principale là. Clac, clac, clac. Et on va arriver ici. Et une fois qu'on est arrivé ici... non, pas ici, pardon. Là. Voilà, on fera peut-être un tour au carburant. Non, je pense pas. Je pense qu'on aura assez de carburant. Et une fois qu'on arrive là, on fait clac, 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 clac. On traverse la rivière, pardon. On arrive ici. Et donc là, clac, après, c'est facile, il y a la route principale, on fait comme ça, voilà. Sauf que non, en fait, on va pas faire comme ça, parce que c'est totalement idiot, on fera comme ça. Et ici, ouais, on arrivera sur la plaie pleine, et donc on fera comme ça. Voilà, donc c'est le petit programme pour cet épisode, voilà, je pense que je peux le dire comme ça, hein. On va dire que c'est notre petit programme, et donc là on n'est plus avec des rondins longs, mais faut quand même faire attention à l'arrière, mais c'est déjà beaucoup plus facile, hein. C'est déjà beaucoup plus court que la dernière fois, surtout que la dernière fois, à ce qu'il me semble, ouais, il me semble qu'on avait failli renverser le chargement, donc là on va essayer de ne pas faire... de ne pas prendre de risques, surtout ça, de ne pas prendre de risques. Il me semble aussi qu'on avait tenté de monter, je vais vous montrer, de vous monter, ah, oh, souris, la souris, merci, de monter, voilà, ici, et on n'avait pas réussi, donc je sais pas si avec le type D, ça va le faire, parce que la dernière fois, on était avec un type C, là, honnêtement, je ne sais pas si ça va le faire, déjà, on voit qu'il y a beaucoup de creux, oula. On voit qu'il y a beaucoup de creux sur la zone de bois. Donc, on va se méfier. Hein. Surtout, ne pas s'embourber. Hop, se mettre comme ça. Là, ça va me dire, vous n'êtes pas bien placé à tous les coups. Voilà, positionnez votre camion correctement. C'était sûr. Allez. Pourquoi tu veux plus avancer? Ok. D'accord. J'ai pas très bien compris. Alors, comme ça, je pense que mon camion est bien positionné. Hop, rondin moyen, chargé. Voilà. Nickel, c'est chargé. Alors, on va faire attention parce que là, je suis un peu de travers. Donc, je vais essayer de redresser de l'autre côté. Je sais pas. Ouais, non. Voilà. Ça devrait être pas mal comme ça. Alors, est-ce qu'on grimpe? On grimpe, on grimpe. Ouais. Oula. Dommage. Il y a l'arbre. Hop. Allez, avance mon camion. Ouh là là, ça met du temps. Hein. Entre reculer et avancer, il y a un certain temps. Alors, est-ce qu'on passe devant? C'est bon. Allez. Mon dieu, mais c'est que ça grimpe. Alors, attention ici, par contre. Ouh là, l'arbre derrière, là. Le sapin, il est en train de souffrir, j'ai l'impression. Alors là, c'était à gauche, il me semble. Alors attendez. Est-ce que je peux voir mon camion? Alors, je vais mettre, ouais, je vais mettre le petit objectif. Écoutez, comme ça. Voilà. Et donc là, c'était comme ça. Voilà. Là, et là. Bam! Non, je me suis trompée. Ah! Oh. Je recommence. On fait un truc très à peu près, comme ça. C'était où qu'on avait dit? C'était là. Bam. 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 Voilà. C'est juste pour me repérer, pour savoir quand je dois tourner. Et en parlant de tourner, là, on va en avoir besoin, là. Mais... ah ouais, non, mais j'aurais jamais dû passer par là, en fait. Parce qu'avec la remorque,
Ça va pas être évident, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Mon Dieu. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ah, écoutez, c'était pas trop mal. On a pas trop mal géré. Ouais. C'est cool, ça. Honnêtement, je pensais que ça aurait été un petit peu plus dur. Mais là, j'ai... Ouais, j'ai plutôt bien géré. Je suis content de moi, là. Mais bon, quand même. Faut continuer à se méfier. Surtout que là, il y a des rochers. Faut continuer à se méfier. Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ce jeu. Moi, je vous le dis. Attention, rocher à gauche. Rocher. Rocher. Y'a que ça. Y'a que des rochers. Hop, je vais commencer à tourner. Désactiver le blocage de différentiel. Maintenant, je le réactive. Alors, est-ce que ça passe derrière? Ouais, nickel, chrome. Bah écoutez, c'est génial, hein. C'est génial. Pour l'instant, sans faute. Ouais, pour l'instant, sans faute, je désactive le blocage des différentiels et le mode tout trou. Et donc, oui, pour l'instant, nous avons fait un sans faute. Alors, est-ce que c'était bien par là? Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Oh mon Dieu, j'ai bien fait de regarder. Bon, c'est génial. J'avais dit que je... Il suffit que je dise que j'ai fait un sans faute pour que je fasse une gourde totale, écoutez. Alors, comment je vais faire mon demi-tour, moi? Oula, 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 oula. Surtout, ne pas perdre le chargement en faisant un demi-tour, ce serait trop bête. Oh, je sais pas comment je vais faire mon truc, là. Ouais. Ça me paraît pas évident. Mais bon, tenter quand même. Tenter un truc. Oula. Elle fait une sale tête, la remorque. Alors, je vais désactiver le blocage, encore une fouée. Alors, écoutez, là, c'est vraiment pas évident. Mais en plus, il y a une côte derrière, là, j'ai l'impression. Non, ça va. Je réactive le blocage. Oulala, oulala. Non, 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 non. Ne déverse pas, mon camion. On se calme. Hop. Alors, écoutez, là, c'est vraiment très, très chaud. C'était la grosse boulette de début de vidéo. La chose à ne pas faire, et ben, je l'ai faite, écoutez. En plus, là, je suis pas totalement dans l'axe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une horreur. Écoutez, c'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Voilà. Maintenant, tu me braques de l'autre côté. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il faut faire un petit peu de forcing, hein. Et une fois qu'on a fait un petit peu de forcing, ça va tout seul. Non, pas forcément tout seul, ça va déjà un petit peu mieux. Voilà, maintenant on rebraque. C'est pas cette caméra que je voulais, mais bon. Oula. Allez, là je pense qu'on passe. Ouais, ouais. Ouais. Ah, oh, j'arrive pas à... Oula. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Ouais, ça me semble bon. Nickel. Ouh. Je sais pas combien de minutes on a mis pour faire un demi-tour. À mon avis, on a bien mis 3 minutes, hein. Temps de faire le demi-tour, c'était chaud, là. Bon, maintenant, je suis ma ligne rouge. Je désactive le blocage de différentiel et le mode tout trou. Parce que le carburant, on a dépensé 70 litres alors qu'on n'a même pas fait 20 mètres. Enfin, si, on a fait quand même un peu plus de 20 mètres, mais bon. Alors, ouais, ma ligne rouge n'était vraiment pas précise. Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, là. Et donc, oui, les rondins moyens, et au final, ils sont beaucoup plus tôt. Ils sont beaucoup plus courts que les rondins longs, hein. Beaucoup plus court, c'est pas un petit peu plus court, moi j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus courts. Je sais pas vous. Enfin bon, bref. Oula. Mon camion fait des sauts. Tout va bien. Alors. Donc oui, là, je me souviens. On va passer à côté de la rivière. Est-ce qu'on pourrait pas traverser là? Écoutez.
Non, parce qu'après de l'autre côté, il n'y a rien. Ouais, non. Faut vraiment traverser, oui, là où j'avais mis le petit point sur la carte. Parce que là, le problème, c'est que, bah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est proche de la rivière, mais il n'y a rien de l'autre côté. Donc, du coup, c'est. Voilà, il n'y a pas de route. Donc, on va encore plus galérer. J'ai pas envie de traverser la forêt avec ça. Hein. Regardez la longueur un petit peu. J'ai pas tellement envie de traverser la forêt. Et même des fois, avec la Jeep, quand on traverse la forêt, c'est limite, hein. C'est limite des fois. Donc avec ça, n'en parlons même pas. Même pas, même pas. Alors pourquoi les lampadaires sont allumés alors qu'il est 12h 13h moins 10. Je ne comprends pas là, faudra m'expliquer pourquoi les lampadaires sont allumés. Je sais même pas qui gère l'électricité, on est en pleine forêt amazonienne. Enfin, je sais même pas si c'est la forêt amazonienne, mais bon, la forêt est quand même très très vaste. Je sais même pas qui gère l'électricité, ça doit être un compteur. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Je pars dans des dialogues où tout le monde s'en fout. Alors là, on va devoir tourner à droite. Tourner à droite. Attention, j'ai l'impression que c'est un petit crochet, ou alors c'est moi avec quand j'ai fait mon tracé. C'était pas du tout droit. Oula. Il n'y a pas une petite descente là? Ouais. Petite grosse. Écoutez, je vais réactiver le blocage. Et le mode toute roue. Non, peut-être pas le blocage. Ah si, le blocage, parce que sinon on patine, c'est galère. Alors, ouais, ça va. On va essayer de se remettre un petit peu sur la route. Nickel. Pour l'instant, tout se passe, je dirais pas à merveille, mais tout se passe... Ça se passe plutôt bien, voilà. Ça se passe plutôt bien, écoutez. Alors, là il me dit d'aller à droite, mais je vais plutôt... Ouais, alors, écoutez là. Je vais bien mettre mon tracé. Je vais plutôt faire comme ça. Plutôt faire comme ça là, parce que sinon il va falloir remonter là sur la petite route de droite. Et c'est... J'ai pas envie de tenter l'expérience, voilà. J'ai pas envie de tenter le diable. Bah écoutez, là... Oula. D'accord. Il en fait une de ses têtes, lui. La remorque. Alors... Oula. On arrive près de l'étang. Alors écoutez, je vais juste prendre une petite photo pour mettre la miniature. Alors comment je vais la prendre? C'est pas la photo du jour, c'est la photo de la miniature. Oh, comme ça c'est sympa. Ouais, sympa, sympa. Attention, F12, il me semble que c'est ça. Ouais, nickel. Bon, voilà, j'ai fait ma petite photo pour la miniature, je suis content. Allez, c'est parti, on se lance. Mesdames et messieurs, dans la traversée de la rivière, il me semble que c'est la troisième fois qu'on la traverse. On l'a traversée une fois avec la Jeep, une fois avec ce même camion pour débloquer les garages. Et donc là, ah non, plus d'une fois même. On l'a traversée, attendez. Non! On l'a traversée quatre fois, une fois avec la Jeep, deux fois avec ce camion pour débloquer les garages. Et là, c'est la quatrième fois donc qu'on traverse cette rivière. Regardez-moi ça, comment l'avant, pardon. Du camion s'enfonce dans l'eau, c'est un truc de malade, mesdames et messieurs, mais on avance. Oula. Ok. Je sais pas comment le mec qui est à l'intérieur fait pour vivre encore. Je sais pas, et je vais pas chercher la solution. Ok, j'ai pas l'impression qu'on avance. Ah si, ça va, on avance, mais vraiment un chouïa, quoi. J'ai l'impression qu'on avançait pas, mais si, si. On avance. Ouais, on se rapproche un tout petit peu plus. Mais comment il fait pour vivre? Encore? Mince! Oh merde! Oh pardon. Je dis un petit gros mot là. Oh non! Non! Il a calé. Cet idiot de moteur. Vite descend parce que j'ai bientôt 800 dégâts. Vite, 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 vite. Vite. Mon dieu. Vite, vite, sors de là, sors de là. J'ai cru qu'il a été fichu définitivement, mais non, on aurait réussi à redémarrer. Oui, parce que là, si ça n'était pas très réaliste, si le moteur ne recalait pas. Non, 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 oui. Oui, mesdames et messieurs, je pense que ça a été la traversée la plus périlleuse. Nous avons 546 dégâts. C'est la fête du slip. Mon Dieu, regardez notre camion. Comment il sort, quoi. C'est... Abusé. Voilà, je cherche mes mots. Bon, ça fait plaisir d'être encore sur la terre ferme. Regardez, le bois est totalement trempé. Ça, c'est très bien fait. On voit même des petites gouttelettes qui tombent.
Ici, vous pouvez le voir. Bon, là, on ne les voit plus. Mais bon, on va se reconcentrer direct sur la conduite. Et je vais établir notre petit itinéraire. Et bah écoutez, j'étais vraiment craintif là. J'ai cru qu'on était resté bloqué. Vu que le moteur a calé. Mais non, on n'est pas resté bloqué. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu. bah oui, forcément, j'étais obligée de vous en parler. De la fin. De ce let's play, et ben je ne sais pas quand je vais faire la fin. Soit je refais une petite map avec vous, voilà, ça pourrait être sympa, ou soit je m'arrête, après avoir fini cette map, j'arrête de faire un let's play sur Splinters. Écoutez, je ne sais vraiment pas, donc n'hésitez pas à me dire votre avis, voilà, dans les commentaires. Après, je sais pas, ça dépend de mon temps, surtout du temps que j'ai, si je peux continuer à faire une série, je veux dire, à refaire une autre map sur ce jeu, ou si voilà, j'ai pas le temps et donc du coup je m'arrête là pour ce let's play. Voilà, je sais vraiment pas, écoutez, on verra. De toute façon, là voilà, on est plus très loin de la fin, voilà. On finit ce chargement, ensuite il y a un autre épisode, et si on arrive l'autre épisode, bah écoutez, le let's play est fini, quoi. Le let's play est fini. Donc, enfin, le let's play, la map en tout cas est finie. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, voilà. N'importe quoi. Oui, donc du coup, c'est pour ça que je voulais peut-être faire une autre map. Je sais pas. Écoutez, je ne sais vraiment pas. Ça dépend vraiment du temps que j'ai. Donc voilà. En tout cas, j'ai au rush. Je ferai pas. C'est-à-dire que je ne commencerai pas une map. Et je peux pas commencer une map et ne pas la finir. Voilà. Donc c'est soit je refais une map avec vous. Ou soit, bah, je. Voilà quoi, j'arrête le les j'arrête le let's play sur Splinters. Donc voilà, je sais vraiment pas, je vous dirai en fonction si j'ai le temps ou pas, et donc n'hésitez pas quand même à donner votre avis sur tout ce que vous ayez envie que je fasse, voilà, sur ma chaîne qui va bientôt s'ouvrir d'ailleurs. Oui, bientôt bientôt, enfin bientôt bientôt, je sais pas trop, mais bientôt. Je fais que des. Je dis que des bêtises. Pardon. Encore tousser, moi je tousse beaucoup en ce moment. Ça va pas, ça. Ça va pas, Dristur. Bon, allez, tu avances, toi, avec ton type D, là. Surtout que là, on est sur la route. La route. Non, mais bien sûr, la route principale. Ça avance beaucoup moins que sur une route bétonnée. Hein, parce que c'est une route principale. Tout de terre, et donc du coup c'est pas tip top, voilà. On va un peu à deux à l'heure, j'ai envie de vous dire. Un peu beaucoup à deux à l'heure même. Allez. Et donc au final, si on réussit ce chargement avec les rondins longs, moyens, pardon, et bah du coup on aura fait tous les types, on aura réussi tous les types de chargement, vu qu'on a pris les rondins courts, les rondins longs et les rondins moyens qu'on est en train de faire. Donc si on réussit, on aura réussi à livrer tous les types de chargement. Je sais pas si on a un succès d'ailleurs. Je sais pas si on se fait un succès pour ça. On verra bien. On verra bien, écoutez. Et il nous reste plus que 345 litres de carburant. Mais je pense, oui, je pense, hein, qu'on aura assez de carburant. Je pense et j'espère. Ouais, je pense et j'espère qu'on aura assez de carburant, écoutez. Alors attention. Ici. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. La remorque ne penche pas. Mais généralement, c'est quand on arrive à l'objectif qui nous met des petits trucs, genre montée, descente avec des virages, donc où l'on peut facilement se retourner. Donc, je ne crie pas victoire d'avance, voilà. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, bref. Encore une citation, un proverbe. Ah là là. Donc là, on a une grande ligne droite et vous voyez qu'on est toujours en vitesse 1, hein, et qu'on fait la petite mamie dans le pré, là. C'est un peu ça le truc. C'est un peu ça. Je sais même pas si on va passer en vitesse 2. Peut-être que là, on peut passer en vitesse 2. Ouais. Ah non, même pas. Je crois qu'il avait changé de rapport, mais non. Ah, vitesse 2. Ouais, vitesse 2, c'est notre record. Mesdames et messieurs, c'est génial. Génialissime. Wow, vitesse 3, mais c'est qu'on va vite. N'importe quoi. Bah écoutez, je vais désactiver le blocage de différentiel et le mode tout trop pour pas trop consommer. Ouh là là, mais on est en vitesse 3, c'est qu'on va même très très vite au final. Alors je vais le réactiver là. Hop. Oh non, on repasse en vitesse 2, c'est nul ça.
Mais là, quand on va arriver dans la gadoue, on va repasser en vitesse 1, je suis sûr. Voilà, il arrive dans la gadoue. Hop, et que je le mette en vitesse 1, voilà, vitesse 1. Et c'est reparti pour de la vitesse 1. N'importe quoi. Et donc il est 16h maintenant, 16h, 16h10. Et donc ça fait... Ouais, le temps en fait, il avance, il me semble, c'est chaque seconde à peu près. Ou non, toutes les 2 secondes en fait. Ouais, toutes les 2 secondes. Donc là, je pense qu'on finira la livraison avant la tombée de la nuit. Enfin, la livraison. Tout du moins, oui, la livraison. Ouais, la livraison de bois, on peut l'appeler ça comme ça. Avant la tombée de la nuit, je pense et j'espère en tout cas. Parce que si il commence à faire nuit et qu'on n'a pas fini de livrer, c'est qu'il y a un tout petit souci. Voilà. Je vous laisse même pas imaginer quoi. Alors, je vais regarder un petit peu la carte après la montée. J'attends juste que ce camion, ce type démonte. Allez, voilà. Alors, quoi? Oula, pardon. J'ai le micro, ça a dû faire un bruit désagréable. Quoi? Non mais... Ah ok. Ça passe très très vite en fait. Ok. Ok. Bah écoutez, je pensais pas que ça aurait passé si vite. Mais bon, on se concentre quand même. Ne relâchons pas notre concentration. Attention, nous entrons dans l'eau. C'est magnifique. On tourne. Ça va. Et donc vous pouvez voir aussi que... Enfin, vous pouvez voir. Vous pouvez surtout entendre. Oui, vous pouvez voir, je dis que des bêtises. Vous pouvez entendre que le son du moteur, du coup, fait un bruit un petit peu... voilà, je... comment est-ce qu'on dit ça? Bon, bref, on voit que le moteur ne marche plus très bien. Il y a des bruits parasites. Ça fait crac crac crac. Enfin, bon, bref, je pense que vous m'avez compris. Surtout quand on change de rapport. Ah, ça y est. Ça y est, victoire! Non, pas victoire. Du moment que je ne suis pas sur la case, comme je vous l'ai dit, il me semble, à l'épisode précédent, je ne crie pas victoire. Surtout que vous voyez, il y a des petits arbustes devant, ils peuvent nous faire basculer. N'importe quoi. D'ailleurs, pour celui-là, je vais pas me gêner, tiens. Allez, je blâme! De dommages. Attention, nous arrivons sur la cage. Objectif, sur la case, pas sur la cage. Objectif, hop! Décharger. Voilà! Nickel! Et donc 4 sur 8, et donc oui, oui, oui. Après cet objectif, et ben nous avons fini la map, du coup nous avons débloqué les 3 garages, celui-là, celui-là, celui-là. On a une zone de carburant ici, on n'y va jamais d'ailleurs. Et donc oui, il nous restera plus qu'à faire une livraison à cet objectif, et ce sera fini, les amis. Donc voilà, cet épisode du coup sera assez court. Voilà, là on est à bientôt à 23 minutes de vidéo. Voilà, c'est assez court, mais c'est pas, je pense pas que ce soit trop court. Je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'on a été habitué à plus long. Des fois, je faisais des épisodes de 40 minutes. Bah du coup ça, oula, ça apporte un petit peu de variété au niveau du temps des. Ok. Des vidéos. Voilà, bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera, regardez-moi, il y a de la fumée même qui s'échappe du moteur. On se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier épisode, en tout cas, sur cette map, si je ne fais pas de gaffe, pour le dernier épisode, donc sur cette map, on finira de livrer le bois. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!